Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Limoges pour essayer une nouvelle roue. En plus c'est un peu une avant-première car très peu ont eu l'occasion de la tester. C'est grâce à Mobility Urban qu'on peut la voir sous nos pieds. C'est la fameuse InMotion V13. J'avais plutôt bien accroché avec la V12, surtout en termes de finition, elle était vraiment top. Alors là on rentre dans une grande cour, hein, la cour des grosses roues. Donc cette V13, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et on va faire une petite présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette roue? Bah déjà, au niveau de l'esthétique, je la trouve belle. Je la trouve très belle et voire même peut-être plus agréable à l'œil que la V12. C'est sans doute grâce à ça, à ces renforts qu'il y a sur les côtés, très colorés. Ça lui donne un côté un peu moins arrondi, un peu moins coquille d'œuf, comme on pouvait le voir sur la V12. Mais on est sur des matériaux qui sont assez identiques. On a une forme quand même qui est propre à InMotion. Ensuite, on a un trolley qui est vraiment bien. Il est super, super robuste. Il y a très peu de jeu. Et le fait, je pense, qu'il soit pas très long, eh ben, ça permet aussi d'avoir une tenue et un risque de casse moindre. On a de grandes pédales en nid d'abeille. Ça maintenant c'est classique, toutes les roues ont ce type de pédale avec des petits picots qui permettent d'avoir une bonne adhérence. Elles sont vraiment longues. On peut aussi, vous voyez, il y a des petits pas de vis, on peut les changer de niveau, on peut les monter ou les descendre. Ça c'est très intéressant. Contrairement à la V12, là les power pads que vous voyez, ils seront vendus avec la V13. Et ça c'est un bon point selon moi. Pour porter la roue, elle pèse 50 kg. Il faut surtout pas prendre par le trolley. On pourrait avoir cette habitude avec les roues plus légères. Là justement, là ces renforts sur les côtés, c'est là où on porte la roue. Donc ici de préférence. Là, ça gêne un petit peu. Donc on peut éventuellement prendre comme ça. Après c'est selon votre aise. Et pour couper le moteur, vous allez voir, c'est un petit peu étrange, je trouve. C'est ce tout petit bouton. Alors c'est un gros défaut pour moi, parce que si on veut par exemple porter la roue, même si elle est lourde, la mettre sur un point surélevé, vous n'avez que ce petit bouton. Imaginez par exemple en hiver, vous avez des gants, vous appuyez pas au bon endroit, j'aurais vraiment peur que la roue s'emballe en loupant le bouton justement. On a le petit écran tactile classique là, un tableau de bord, donc vous avez pas du tout besoin de l'application mobile puisque tout est intégré dessus avec énormément de réglages, hein. Notamment bon, la vitesse, la souplesse des pédales, mais vous pouvez aussi avoir une assistance à l'accélération et au freinage. Et il faut dire que c'est très intéressant, c'est même important parce qu'on a quand même sur une roue qui a beaucoup d'inertie, le fait qu'il y ait une assistance au freinage, ça permettra de faciliter justement les arrêts. Alors là, par contre, on dirait un capteur de luminosité. Ça serait super parce que ça, c'est une marque de fabrique de la Kingsong. Et c'est très intéressant qu'on puisse avoir ça. Au niveau de la finition, c'est irréprochable. Là, on arrive à un niveau qui est vraiment, vraiment très, très bon. Les plastiques sont costauds. Il n'y a pas un seul jeu. Ça respire vraiment la qualité. C'est vraiment une roue qui, pour moi, s'éloigne de plus en plus du côté prototype qu'on a toujours eu tendance à voir sur les gyro-roues. Alors, c'est plus vraiment le cas même chez Kingsong, ça le demeure quand même encore un peu chez Bigod. On a un pneu de 22 de diamètre sur 3 de large, avec le code couleur propre à InMotion qui a été intégré depuis la V12 High Torque. Au niveau des caractéristiques, bah c'est toujours de plus en plus hors norme. C'est un moteur qui fait 4500 watts, qui peut monter jusqu'à 10 000 en crête, je crois. Elle a une autonomie annoncée de 200 km. Je comprends toujours pas pourquoi ces autonomies qui sont annoncées sont aussi différentes de la réalité. Non, clairement, avec un moteur qui fait 126 volts, vous aurez peut-être 120 km et en roulant en dessous des 35 km/h. Cependant, c'est une roue qui est gage de sécurité, ne serait-ce que par rapport à sa puissance. La carte mère de la V13 est renforcée. Elle a notamment deux capteurs à effet Hall. C'est quoi le capteur à effet Hall?
grosso modo, c'est ce qui va en fait gérer la stabilité de la roue, le gyroscope. Et donc, qui dit deux capteurs, ça veut dire que s'il y en a un, par exemple, qui plante, vous aurez une redondance, ce qui fait que vous allez éviter ou repousser la coupure du moteur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une superbe avancée. Alors, mon ressenti sur cette roue, elle est extrêmement confortable. Les suspensions, je pense que c'est les meilleures suspensions qui m'aient été données de tester, que ce soit par rapport à la Bigode EX, la S20 aussi et la S18. C'est vraiment une suspension qui est souple. Ça me fait penser, on pourrait faire un parallèle avec les fameuses Citroën DS. Cette suspension, on peut la régler. Elle a une particularité, c'est que en fait, elle a deux paires de deux jeux de suspension de chaque côté, avec la possibilité bien sûr de régler l'amorti et puis le rebond. C'est une suspension qui suspend uniquement les pédales et non pas la coque en elle-même. Je trouve vraiment que cette roue, malheureusement, en tout cas pour moi, est trop lourde. J'ai roulé un petit peu quand même avec et c'est toujours difficile de s'engager et de se lancer. Et plusieurs fois, j'ai l'impression qu'elle bascule sur le côté. Et le fait qu'elle soit en mode un petit peu valise, elle n'est pas tout en arrondi, elle a un centre de gravité qui fait que elle a tendance très très vite à partir sur les côtés. Alors là par exemple, dans Limoges même, avec toute la circulation, je suis pas spécialement à l'aise. Autant avec ma V10, j'arriverai assez facilement à circuler avec de l'aisance. Regardez, même pour m'arrêter, il faut vraiment que je prenne au niveau du crash guard, sinon c'est difficile pour moi de la maintenir juste avec mes chemises. Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose avec l'habitude, avec l'expérience, on arrivera à corriger. Mais pour moi, c'est pas la roue en tout cas que j'achèterai. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous signalez des choses que j'aurais pu oublier. En tout cas, c'était super, un plaisir pour moi d'essayer cette nouvelle roue. Et on va se retrouver dans de prochaines vidéos. Salutations les amis !